C'est Elio Di Rupo avec sa réforme de l'État qui a éclipsé tout le monde lors d'une fête de la communauté flamande, généralement propice aux petites phrases et aux revendications. Rien de tout cela cette année. Le Parlement flamand doit être repositionné comme un Parlement autonome et national à part entière, investi du rôle de représentant officiel de la Flandre sur la scène internationale et hiérarchiquement non subordonné au Parlement fédéral sur la scène nationale. Dans son discours, Jan Peumans a pointé du doigt un défi, financer ces nouvelles compétences. Comment les compétences qui sont, quand ils sont votées par le Parlement fédéral, comment on va l'intégrer dans notre système en Flandre? Ça, c'est le but. C'est un grand défi. Pas de phrases choc ni d'agression vis-à-vis des francophones et des bruxellois. Le ton a changé au point de surprendre certains. C'est étonnant comme discours. On peut dire qu'on est d'accord, bien sûr. On voit que demain, il y aura des régions, des communautés plus fortes, avec plus de moyens, plus de responsabilités, plus de compétences. Et dans le même temps, un État fédéral qui est consolidé pour ses missions fondamentales, comme par exemple la sécurité sociale, la sécurité, la justice, qui vont relever du Parlement fédéral à l'avenir. Ça donne donc un autre ton. Je crois qu'on entre dans une autre Belgique, mais une Belgique plus harmonieuse, moins conflictuelle. Il y a quelques années, cet homme était entouré et sollicité comme jamais. Aujourd'hui, Bart De Wever s'est fait discret en laissant à Chris Peeters le soin d'incarner le leadership flamand.